Ça dépend des priorités, n'est-ce pas, d'une entreprise à une autre. Les entreprises là où si vous arrêtez un seul jour de travail, ce sera une catastrophe. Vous voyez quand on fait la coulée de cuivre, hein, quand on est déconcentré, il suffit que ça ne tourne pas, que ça sèche, ça durcit dans la tuyauterie. Je donne un exemple. Ceux qui sont par exemple à Inga, vont-ils arrêter? Ceux qui sont dans les urgences, n'est-ce pas? On arrête, mais on laisse le service minimum. C'est pour la maintenance de l'équipement qui coûte cher. Nous, on ne doit pas leur tenir rigueur. Mais ceux qui le font sciemment, en minimisant, en oubliant, c'est l'État qui doit devoir asseoir sa souveraineté et son impérium. Comprenez, monsieur le journaliste. Donc, il ferait mieux à ce que l'État puisse faire valoir, n'est-ce pas, sa force. Du temps d'un père, les gens ne s'amusaient pas. Du temps d'un père, les gens ne s'amusaient pas. Vous jouez, vous êtes un blanc, 24 24 kilos chez vous. Les gens doivent apprendre à nous respecter et à respecter nos règles. Même dans la Bible, on dit que si tu vas à Corinthe, il faut vivre comme des Corinthiens. Voyez-vous? Donc je crois que s'ils le font, c'est par manque de civisme peut-être, je ne dis pas ça. Mais je présume que ça peut être ça. Parce qu'il faut toujours savoir respecter les règles du jeu.